fait un moment qu'ils attendaient, moi aussi. Et je peux te dire que là-dedans, ça commence à être petit. Je suis un peu allée. Trois, faudrait penser à agrandir. Penser à me faire sortir, que je vois les quatre saisons et puis le monde. Mais devant les quelques semaines qui restent, mon impatience s'incline. Si seulement je pouvais mettre un visage sur ta voix, je pourrais enfin comprendre pourquoi c'est de cette femme qu'est amoureux mon papa. 8 ans qu'il s'aime et puis me voilà. Après 9 mois cachés, je suis enfin là. Mais dis-moi, pourquoi les larmes ont remplacé leur sourire? Parce que le médecin leur a annoncé mon petit truc en plus, mon lot particulier. Je comprends pas vraiment ce qui se passe, mais quand ils m'embrassent, je sens bien qu'ils sont gênés face à mon petit truc en plus qui a laissé des traces. Même si les larmes se sont effacées, je vois bien l'indifférence. Est-ce que ça créera entre nous des interférences? Je pose la question, mais je n'attends pas de réponse. Je connais la méchanceté de l'homme et pour la bannir, les points de suspension me serviront d'armes pour un meilleur avenir. Je ferai des efforts pour être comme les autres. Mais si je tente d'être similaire, ne serait-ce pas un peu comme si les anneaux de Saturne tournaient à l'envers? La différence, je porterai la bannière et puis je donnerai mon amour et mon âme pour qu'elle soi-même devienne la plus belle des armes. Je veux vous prouver que je peux tout faire, toujours tout dire, quoi qu'il arrive. Je peux soulever des montagnes, je vous jure, juste avec mes 10 doigts. Je peux faire des trucs de malade et des choses qui ne le sont pas. Je peux devenir président de la République et lors d'une manif péter une vitre avec une brique. Je peux soutenir le cancer et avoir la tête rasée. Je peux profiter d'une soirée avec mes potes, même un peu trop alcoolisée. Je peux avoir la tête dans les étoiles en espérant décrocher la lune. Et puis... Mais je vous avoue que le... Je peux avoir la tête dans les étoiles en espérant décrocher la lune. Je peux même voler un avion et faire le tour de la Terre. Mais je vous avoue que le tour de la question est quand même plus simple à faire. Et puis un jour, je pourrais même ne plus essuyer les moqueries. Mais ne serait-ce pas simplement une utopie? La différence est quelque chose d'important pour toi. J'ai ce petit truc que 9 personnes sur 10 sont en moi. 8000 a priori ont été fondés sur la maladie. Mais je suis sûre que parmi vous, seulement 7 personnes seront concernées par le message que je veux passer. Si, sincèrement, je pouvais monter 4 à 4, les marches verraient un avenir meilleur, là où j'espère les gens n'auront plus peur. 3 minutes après que j'ai commencé, je finis sur ces quelques mots. Faisons la course entre l'attention et l'ego. Top départ, 3, 2, 1, 0.